Salut les pêcheurs. Bon, je suis en rivière, donc je fais une pêche là. Je fais juste une nuit. C'était pas prévu. J'ai regardé avant de partir quelques vues satellites et en fait j'avais aperçu un endroit. Je me suis dit bon, c'est un peu compliqué pour y aller, mais on va aller jeter un coup d'œil. Et au final, j'ai perdu pas mal de temps. Je devais arriver en plein après-midi. J'arrive seulement maintenant. Le spot que j'avais vu, il est naze. Il n'y a pas assez d'eau. J'ai pas vu de poisson. Et puis en cherchant un petit peu, j'ai croisé un autre pêcheur, enfin deux autres pêcheurs, et en fait j'ai de la chance, ils m'ont donné un spot, voilà, ils m'ont dit va un peu plus loin, mets-toi sur l'île, il y a un petit peu de fond, il y a de belles carpes, hein, et c'est ce que j'ai fait. J'ai amorcé avec du maïs, de la graine et puis du maïs doux aussi, voilà, donc on va voir ce que ça donne. Donc je suis tout seul, j'ai emmené avec moi le minimum, là, juste mon tarp. J'ai fabriqué ce qui ressemble à un abri avec des branches que j'ai trouvées. Et puis je suis bien installé en fait parce que je suis sur une île, il n'y a que du sable. Hein, et je pense que je vais rester pieds nus toute la nuit. J'essaye de vous faire de belles images. J'essaye surtout de vous prendre un poisson, de vous le montrer. Partager avec vous ce qui va m'arriver ce soir. Et puis voilà. Waouh, j'ai sursauté. J'ai entendu le détecteur et au même moment j'ai vu un truc se prendre dans le fil. En fait, je sais pas ce que c'était comme oiseau, mais il était énorme. Une sorte de héron ou je sais pas. Je sais pas ce que c'était. Mais il était complètement perdu. Oh putain. Non, ça c'est un poisson qui a dû se prendre dans le fil. Waouh. Bon. Je sens que la soirée va être mouvementée là. Bon, je vais prendre mon café, puis j'espère que la prochaine ce sera un vrai départ. Bon, il est presque 1h du matin. Je vais m'endormir, pas de poisson pour l'instant. Avant d'éteindre là, je vais juste vous raconter un truc. En fait, derrière moi là, dans les buissons là, je sais pas, il y avait un truc bizarre, ça arrêtait pas de bouger. Et donc j'allume ma frontale et je pensais que ça allait foutre le camp et en fait pas du tout. Ça a continué à foutre le bordel. Et en fait, c'est la première fois que je vois ça. C'était une loutre. Et depuis tout à l'heure là, elle tourne autour de moi. Elle est super curieuse et c'est la première fois que je vois ça. Voilà. Alors je sais pas si vous avez déjà vu ce genre de. Enfin, si vous avez déjà vu des loutres dans vos rivières. À la limite, laissez-moi un commentaire. Je serais curieux de savoir si aussi par chez vous il y a ça, quoi. Voilà. Donc bon, je suis content d'en avoir vu une quand même. Mais j'aimerais bien un poisson. Allez, à tout à l'heure.
elle a laissé des traces. Ça, c'est mes traces de pied. Puis cette nuit, en fait, elle a tourné autour de moi, quoi. Il y en a un peu partout sur la petite île, là où j'ai dormi. Donc la nuit, rien, pas un départ, rien du tout. Bon, en même temps, la loutre n'a pas arrêté de chasser, elle était sur le spot, dans l'eau. Elle a foutu le bordel comme il faut. Bon, c'est pas grave, j'étais quand même content de l'avoir vue. Content de savoir aussi qu'il y a des loutres vers chez moi. Donc voilà, je vais m'y intéresser, c'est intéressant. Alors je sais pas si j'ai vu quelque chose de rare ou pas. D'ailleurs, ça m'intéresse de savoir si vous aussi, vous en avez déjà vu dans vos cours d'eau et dans vos régions. Donc laissez-moi un petit commentaire, voilà. Ce matin, il me reste 2 heures de pêche. Il est encore possible de faire un poisson. Et là, ce que j'ai fait, j'ai mis ma caméra subaquatique, la Water Wolf. Et voilà, parce que là, je suis assez curieux. Je me pose pas mal de questions. Je sais pas vraiment ce qu'il y a au fond de l'eau. Est-ce qu'il y a des carpes? On va voir. Donc j'espère que j'en filmerai quelques-unes. Ce qui me laissera l'occasion de revenir ici au même endroit et puis de revoir cette loutre. Voilà. J'ai filmé 2 heures et aucun signe de carpe. Je pense que c'est une zone où elles viennent, c'est sûr. Mais voilà, je pense que la prochaine fois j'irai ailleurs. J'irai visiter d'autres coins, c'est pas ce qui manque.